Lens on for your control 3 and after your glass left targeting the 3 wire. Clear to start the second wave. Fire them up. It's not clear now. Miles, clear them back. Jack, that hole's working. 28 over 9. 28 over 9, right down the angle. Ça c'est ton live. Ouais. Parfait. Il faudrait que je parle un petit peu pour vérifier tout le truc du chat. Ouais, c'est ce que je regarde aussi de mon côté, si tout est bon. Comme ça, je teste aussi en même temps le son. Ouais, bah, moi, ça a l'air d'aller pour le moment. Le son est bon. Moi, je regarde le son. Le son a l'air bon, même de l'extérieur, je teste. Ouais, de toute façon, j'ai mis ton son et le moyen au même niveau. J'ai juste enlevé parce que là, ça fait de l'écho. Voilà. Mais non, c'est bon. La balance du son est pas. Ok. Ah bah écoute, pour moi c'est bon. Et bah pour moi aussi. Bah, je suis prêt. Je vais aller te rejoindre. Alors le loop est stylé. Je dois tourner à gauche. C'est parfait. Ouais, je te vois rouler. Ouais. Et bah c'est parfait. Perfect. Niveau de la simulation du son d'intérieur, on est déjà largement mieux. Hop, c'est ouais, bon. Je te vois aussi. Je te vois aussi. J'ai mon retour aussi. C'est bon. Ouh. Là. Quoi, tu décolles en même temps que moi ou tu restes en bout de piste je t'en fasse un passage. On décolle en même temps. J'attends juste mettre ça. Hop et hop. Voilà.
C'est bon, je suis prêt. Ok, bah. Attends, je vérifie juste des trucs dans mon habitacle. Enfin, dans mon. Habitacle. Ouais. Alors, ça, on est bon. Le fioul, c'est bon. Ça, on va vérifier les différents affichages. Vite fait. Hop, affichage ça. Affichage du petit. Changement de mode. Ok. Ça. Vision nocturne, c'est bon. Écran. Le petit. Voilà, écran de tir, c'est bon. Ça m'a l'air bon. Ouais. Ah oui, tu m'avais dit la météo, météo sympa, du coup. Zappé. Allez, on reste. Oh, ouais. Voilà, je vois pas juste là-dessus. Voilà, bon, c'est bon, je suis prêt. Ok, bah je fais un. Je décolle et après. Juste quand je vais arriver en bout, je vais tirer un peu sur le manche. Et puis après, de toute façon, je vais avoir les fumées donc tu me rejoindras en vol. Donc, ouais. Insérer. Et des gaz pour moi. Je décolle top. Et voilà. Je quitte le sol, le train est volé. Ok, frein serré. Post-combustion. Je prends des décollages. C'est parti, top. Attends, je fais juste un truc vite fait, parce que là j'ai oublié de régler des touches. Vas-y. Je veux qu'il se stabilise à une altitude là. Voilà, modifier les commandes vite. Voilà. Fumigène. Ok. Ok, je te vois en bas. Je te rejoins. Ok. Je monte un petit peu, je prends l'attitude. Super. Je suis actuellement à 1400 mètres. Ah bah je viens de passer derrière toi. Derrière toi. Approche. Pas sûr. Voilà, c'est parfait comme ça. Moi j'ai les communications radio de la WARX et du tanker qui se superposent, c'est magnifique. C'est quoi ta vitesse? Je suis à 950 mètres, voilà. Kilomètres par heure. Ralentis un peu quand même. Je suis à 920. Ah, réduit à 700. J'arrive à te rattraper parce qu'en plus j'ai pas de bidon de carbu hein, donc Ouais. Non, déjà c'est pas ouais, c'est pas bon. Je suis à 720 km/h, 710. Ok, je suis en approche droite.
Je t'ai un visuel. Magnifique F-18 sur le flanc delta droit. PS formé. Je teste mes canons. Oui, je vois ça. Par contre, tu sais que quand tu tires au canon, tu ralentis. Ouais, je sais. Du coup, ça t'a fait ralentir, donc j'ai ralenti. Faut que j'accélère. Par toi. Ce qu'il faudrait faire, c'est de te mettre sur mon delta droit ou mon delta gauche et qu'on break tous les deux d'un côté. En fuel F3. Ouais. Alors toi, t'as pas la fumée blanche, mais du coup, je te la mets. Voilà, c'est parfait. Magnifique tout ça. Je vérifie un petit peu le retour du live. Ouais, bah moi je l'ai sur mon téléphone donc je vois à peu près quand ce que ça donne. Ah c'est quoi, ça commence à faire des gros échos. c'est ça, je me suis entendu une première fois, deuxième, troisième. Mais franchement, au niveau du test, je pense que c'est bon là. Ouais. On va partir, de toute façon, on pourra partir un peu vers la gauche pour aller voir le porte-avions. Ouais. Les tankers et porte-avions. Ok. On fait le. Ok, vas-y. Bon, je coupe. En vitesse leader, 700 km/h. Donc environ quoi, 350 nœuds. 375 sur merde. Ouais. Bah du coup quand tu veux pour ton break droite, break gauche pardon. Ouais parce que sinon si tu veux te manger mes réacteurs c'est comme tu veux. Ouais bah c'est ça. Ok break maintenant. Ouais, je t'en reçois. Je sais que j'étais en train de faire une vue, mais... Bon bah nickel pour mon premier live en duo, c'est pas mal. Ouais, pareil pour moi. En même temps, j'ai eu un bon instructeur Twitch, on va dire. Bon, moi j'ai un bon instructeur DCS. Mais... Il paraît. Je
je vais profiter un petit peu à mes viewers de la vue. Je vais faire une petite figure de contre avec les contre-mesures physiques. Oula, et puis tu arrives sur le flanc là. On va lui passer dessus. J'ai ralenti là. Ouais, t'inquiète. Bon, on va aller dire bonjour au plagiste. Ouais. Carbu 8000 pour 800 pour moi. Non, moi je suis encore bon. 8000. Ouais, 8000. Je me suis renversé. Je vois. J'essaie de me stabiliser, mais bon, c'est pas le top. Partir à gauche. Les plages. Bien reçu. Je suis passé devant toi. Ouais, j'ai vu. T'es à 2, environ 3, t'es à 3h, t'es à 3h. Réduction, j'arrive sur toi. Et ben moi je réduis à 402. Bah on a à peu près la même vitesse là, je réduis un petit peu. Aérofrein. Oui, l'altitude, je sais. Ah, moi aussi, il m'a fait l'alerte. Vitesse 360 pour moi. Vitesse 750, j'aurais dû. Proche de l'eau, oui, je sais l'altitude, ouais. Vitesse leader, vitesse 500. Okay. 500, pilote automatique sur 460 sur 500. Je suis dans ton sillon, je suis passé dans ton sillon. J'arrive sur ton delta gauche. On va passer au-dessus des pétroliers. Bien reçu. Vitesse. Vitesse 500 toujours, hein, j'ai le PA sur 498. Il n'y a pas de remonte. Vitesse 970. Continuer à descendre en altitude et dire bonjour au bateau, et après il y a un bateau dans nos 11 heures
On va aller le voir aussi. Ok, 310 pieds, le bateau en visuel. Que tu le vois devant toi aussi. Ouais, je le vois. Ouais. Ok. Une fois passé le bateau, je fais un virage à gauche pour aller voir l'autre bateau. Je passe juste dessus, je fais un virage ce matin. De toute façon, on connaît cap. J'arrive sur lui. Ah, il... C'est beau. Allez, virage à gauche. Bâtiment, je le vois, on continue. Rasmode effectué sur le bateau pétrolier. Magnifique, hein, franchement, j'ai eu un petit aperçu du bâtiment. Bah, tu vas voir, l'autre il est encore plus gros. Celui sur le cap 120 à peu près 110. Ouais, 110. Visuel suiveur. Attention, je passe en rase mode sur le bâtiment. Ok, de toute façon, je vais voir, il est un peu plus gros celui-là. Ouais, j'ai un visuel, t'inquiète pas. Je garde une un contrôle sur mon tangage quand même. Surtout sur mon roulis parce que va falloir que je reprenne de l'altitude. Ah, il est beau, putain, j'avais jamais. Ok, ouais, je t'ai vu, j'étais en vue F3, je te vois, je viens sur toi. Bien aussi, je me remets droit. Je vais au cap. Direction cap 100, 155. Ok. Je vais rallonger la côte. Je coupe mes fumigènes. T'as des messages de ton chat? Négatif. Pas répondre. Ok, on approche arrière. En visuel. Overshoot. Bah, je peux. Oh, ok. Putain, qu'on est bon. Ouh là là. Donc on va faire peut-être monter quand même, parce que là c'est pas qu'il y a une montagne avec des arbres, mais bon. Prise d'altitude top. Alors, je me remets droit au niveau de la vue. Ouais, bah pour l'instant t'as fait droit de direction le sol. Je fais une petite chandelle là. Ouais, bah j'ai vu ça, mais du coup. Ah oui, t'es où? Ah oui, t'es là. D'accord. Là, c'est que du coup, t'étais passé. Oula, ouais. Écoute, t'es derrière, tu suis? Ouais, ouais, t'inquiète. Activation des fumées. On va monter en altitude un peu. Là, on est léger, on peut y aller. Que je décroche quand même. Il y a de la marge. Ok, 30 000. 32. 33. 34. Prends 4 000 pieds, vitesse max 0,71. Pour 10 km/h, 5000 mètres. Carburant 5000 pour le moment, 7700.
Bon, je suis à 2,70 en vitesse R, donc après tu as max 0,83. J'aurais le stabilise à 0,83. Tac. Oh, plus altitude, vitesse 380. Je vais descendre en altitude quand même. Si on a 30 000, on va m'attraper. Ah, parce qu'après niveau accélération, on est réduit en l'air. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Après, j'ai ton sillon visuel, mais tu causes les câbles. Ah, je réduis la vitesse. De toute façon, j'ai réduit en altitude, donc t'auras moins de. Ah. Allez, 30 800, vitesse 250 et 150, Mach 0,70. Un virage à gauche et du coup tu coupes le virage parce que toi tu sers un peu plus ton virage pour pouvoir me Je t'ai accroché sur mon radar. Ah, c'est bien, j'entends rien. C'est radar, radar de navigation, pas radar de tir. Ah. Ah, tu te rapproches un peu plus, là, déjà. Ouais, ouais. Tu peux couper le virage, que limite, je vais arriver... Ouais, je vais arriver droit dessus, là. Ouais, c'est pour ça que je te vois, là. Là mon avion va sonner. Ah même pas. Approche. Antenne d'approche. Vitesse leader 2,50. Je passe à 520, histoire de pouvoir avoir une marge. Yes. Réduction de vitesse, approche du leader.
Approche sur le delta droit. Ah, visu. Allez. Approche, vas-y, approche. Attention. Ouais. Fais un peu vite là. Ouais, tu descends surtout. Ah, c'est bon. C'est bon, en fait, c'est mon PA qui se stabilise mal. Ok, bah vas-y, accélère. Au pire, je le mettrai sur toi si besoin. Ah, j'essaie de, mais j'essaie de d'apprendre un petit peu aussi les formations. Ok. Bon, moi, je bouge pas en vitesse, je bouge pas en altitude. Toujours 2,50? Ouais, toujours 2,50 pour moi. On va faire un virage à droite parce que sinon on va finir en Turquie si on continue comme ça. Allez. Moi, je le virage, je l'entame et parce que. Ah bah oui, mais moi je t'ai. Oui, les virages légers, tu sais, très bien que c'est. Parce que pas les choses. Demande de cap? Là j'ai pas de cap, là on va monter la côte. Donc il faut carbu, ouais 5000 points, je pense que c'est bon. On serre mon virage. Ça on a les porte-avions qui sont pas loin en dessous, on a le pétrolier, les deux pétroliers en dessous de nous. Ouais, visuel. Ouais, je vais aller au 3... 30, 3 soir. Ouais, plein d'or. Plein d'or? Ouais, plein d'or, 0, triple 0. 0, 0, 0. Du coup, je suis derrière toi, je suis toujours... Descendre à 30 pistes, à 30 pistes 800. Descendre. Cap plein d'or... On revient sur le... la côte. Je suis derrière toi. Ouais. J'ai le sillon qui me fait office de fumigène bleu, blanc. Ouais, bah moi c'est pareil. Après, j'ai le pod, mais. Ah, j'ai stabilisé à 29 300. Là, on a une vue un peu plus ample de la, du sillon des avions. Là. J'ai le cargo en visuel juste en dessous de nous. Moi je l'ai sur le radar. Ah non, je l'ai plus sur le radar. Ouais, c'est le porte-avions russe et US. On voit en dessous à notre droite. À notre gauche, pardon. Tu connais le rejoindre? On peut, hein, si tu veux le rejoindre. Alors, comme ça, je tente mon appontage sur le Ruskov. Allez, c'est parti. Au cas où, je vais ramener ces GG tables. Hein. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non. Ah mais tu sais que faut pas être forcément mort pour avoir le sticker. C'est appontage éclaté quoi. Même si tu es éjecté, ça marche pas. Alors maintenant faut que je différencie le Ruskov de l'US. Le Ruskov c'est le diesel, c'est celui qui fume. Ah, toujours la pollution sur le Ruskov. Ah bah c'est plus 5.
Bon, remarque nous étant de nucléaire. Ouais, mais il se voit pas. Ouais, mais bon. Le combustible. Ouais, bah ouais, ça. Bah, j'arrive sur le PA russe quoi. Altitude. Je vais le survoler, enfin je vais le rasmoter même histoire d'avoir un petit aperçu des pistes. Il a fait quoi là? J'ai eu un lag, j'ai eu peur. Ouais, moi aussi. Ok, je vois, ok. Ouais. Je vais aller survoler l'US aussi, moi. Enfin, l'US, il est plus en plein déjà, il est plus gros. Ah bah oui. Les lags. T'es dans l'eau. Ouais, bah j'ai. Non, je suis pas dans l'eau. Bah putain, moi je t'ai vu aller dans l'eau. Tu regarderas le replay, je t'ai vu aller dans l'eau. See you at 10. Update state, switch down. 111, state 4.5. Par contre, j'ai eu chaud au cul. Hein. Je sais pas ce qu'il nous fait là comme ça, là, mais. Ah, c'est peut-être les porte-avions ou le fait que j'ai demandé la radio. Ah bah, c'est plus le moment où j'ai commencé à avoir les communications radio, je pense. Voilà, j'ai une grosse vue du. Alors, le PA Ruskov. Il est là-bas. Ok. On brille à gauche. Non, mais d'accord que l'appontage se fait à partir du derrière le bateau. Bah oui. Derrière, un peu la piste elle est oblique par rapport au porte-avions. Ouais, oui. Je vais juste tester ma perche d'appontage. C'est bon. Ok, j'ai sorti les trains. Trop vite. Je suis à 410, c'est un peu vite. Hein, mais... De toute façon, j'ai ma réduction de vitesse. La perche de sortie. T'es fumé. Ouais. Ah merde, faut que je demande l'atterrissage. Oh le con. Putain, non, je dois refaire une passe. 0-6-0-0-4-4-1-1-4.9. Ils vont répondre en russe ou pas? Je sais pas, ça dépend ce que t'as avant. Tower 060. Overhead Angels 1. J'arrive sur eux. Ok, je prépare à remettre la PC au cas où. Tower 060. Overhead Angels 0. State 4.8. What? Pourquoi j'ai pété? Et quoi? J'ai explosé. En plein vol. T'as explosé en plein vol? Ouais. Ah ben non, t'as touché le PA. Ah pourtant, moi j'ai rien vu. Je sais pas, t'as touché le PA, donc t'as dû toucher trop dur. Oh merde. Bon. Bon, t'as pas c'est mes premiers... T'as pas de stick. Ouais. Oh bah merde. C'est mes premiers avantages après.
Au moins le premier, je l'ai réussi en one shot. Ah, j'ai dit. C'est la chance du débutant. Alors par contre, du coup, je sais pas où est... je sais pas où sont tous les autres PA, moi. C'est quoi? Bah après, c'est lequel le... Bah, tu le PA, c'est... C'est Moska, le Moskva. Et ouais, c'est le nom russe. Ouais, ok. Bah, je vais devoir décoller. On va se faire mettre des bébés, comme on appelle ça dans les US Army. Voilà. 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 Avec Marine RSV, Max de l'heure. Vue d'extérieur. Voilà. On fait ça. On allume le système électrique. Hop, les écrans. Toi, tu vas apponter là? Ouais. J'ai plus le taquant, putain, faut que je regarde comment on le remet parce que j'ai oublié. Alors, c'est le démarrage des moteurs, c'est parti. C'est toi qui es sur mon stream? Non, c'est moi. C'est toi qui es sur mon stream? Non, moi je suis sur mon stream. Non. Y aller par contre, tu peux pas tarder à voler. Hop là, donc du coup, combien de personnes sur mon live? Il n'y a que moi. Après, il y a la rediff. T'es là? Ouais, je suis là. On centre. Ah, pour toi, j'ai réussi, mais. Moche. Affaire là, j'ai eu un gros lag et maintenant je suis en train de faire un bisou à notre rafale. Ah. Bah, tu reprends notre rafale. Mets-toi sur ma vue, tu verras. Ah, bah c'est pas mal ça. Attends, depuis quand t'embrasses les rafales? C'est ça passe, ça passe. Non, sans abîmer ton avion. Oh, faut que la moitié cheaté. Ah, si, ici, si, si, en fait, ici. Ah. J'entends que ça passe. Ah, voilà, c'est bon. Sans abîmer la vie. Attends, là, c'est sûr, ça. Ouais, il fait deux stages. Après, ça va, moi, j'ai pas le match perdu, je suis pas en bon réseau. Ouais, en l'air. Wow. Oh, bah, j'espère que le scope, il s'est donné pas trop, sinon j'en ai rien pour vous. Sur la bonne, on est même là, 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 on
7. Eh bien oui, je vois le lac, moi du coup je finis dans l'air. Waouh! Super! Allez hop. J'ai fait péter mon avion. Enfin, il a pas fait péter, là je peux le réparer. Bravo! Bon bah, tira plus vite en. Tira plus vite en faisant un nouvel avion. Bah non. Ah non, je peux le réparer. C'est parce qu'en fait, j'ai des gros lags du coup au sol, du coup après je me vois au sol, je me vois dans l'air après. Ah d'accord. Oui, j'ai compris. Allez, éteins-toi. Request refueling. Ça fait que tu vas donc déjà. Ah si, j'en ai des qui sont en train de faire. Oh, tu vas avoir carte. Par contre, je vais vous dire que c'est super, mais c'est pas le plus simple. Hein. Ah, c'est bon. Ça, sélectionner le rôle, retour au spectateur. On va faire le sol, briefing, et c'est type bar. Voilà. Flight controls. Flight controls. Ah, j'ai un pote qui vient de rejoindre mon live. Salut à toi. Mmh.
te laisse pour que tu l'ailles. Je vois que tu le tiens. Il est juste toujours là parce que je n'ai pas d'indication sur le nombre de personnes qui sont chez moi. Alors là, il prend tout ça pour nous. Ça va, ça va. On est là. On va juste les reprendre. Ok, donc, on a tout à l'électronique. Donc, on a mis un barrage, on a mis un petit là, tu démarres un peu. Ok, on va essayer de faire une petite vidéo. Ah, t'as un petit peu de temps? Bah ouais. Tu veux que je te mette rien? Non. Ah, j'ai pas descendu, toi. Ouais, ça m'a accroché, quoi. Ah, tu veux que je l'offre au champ? Ou tu veux que je le je pense que ça nous est trop bon pour la prendre. Insérer PC. Top. Alors, j'ai quitté le pont. Dire...
Ok, bon, moi je vais faire le portail. Ah bah c'est fait. C'est fait exprès, hein. Ils ont voulu pousser le réalisme au maximum. Hein. Attends, regarde, je vais te faire un truc vite fait. Tu vas voir les autres. Regarde, t'as vu derrière moi? Là, je vais assez vite quand même. Ah oui, ça se voit. C'est plus calme si je veux dire devant là. Parce que du coup le son passe plus ici. Parce que j'ai dépassé le mur du son. J'ai plein de gens sur mon live. Oui. Ah bon, t'as combien? Hey! Hey Captain! Thank you! Do you like the ruffle M, C, or B? Là, j'ai déjà 3 personnes. Oh. Bon, je regarde, rien. Ah, tu m'as accroché. Non, c'est pas vrai. Non. Faire la petite surprise comme avec Adrien. Où c'est moi? Après faut que tu réduises un peu ta vitesse parce que sinon je vais te la faire ralentir. Chandelle. Non, t'inquiète, c'est normal. C'est le truc d'avion. Alors, où est le porte-avions? Putain, je vais devoir briller à gauche. Oh, tiens, voilà quelqu'un. Juste modifier un petit truc dans mes commandes parce qu'il y a un truc qui cloche. Oh tiens! T'es à quoi comme vitesse, ça t'a ralenti ou quoi? Oui. Alors maintenant faut que je trouve le bon portable. Là je crois que c'est celui-là. A ton avis, si j'attaque le porte-avions américain, il réagit comment? Il réagit pas, c'est un allié.
Altitude. Mais ils peuvent péter? Ah bah oui, si tu... Tu m'autorises à le descendre? Non, bah non. Bah non, parce qu'en plus... Eh, en plus je suis derrière toi, donc autant te dire... Que... À un tir sur mon porte-avions... Je me transforme en passoire. Le mec est à basse vitesse pour faire chier son... Mais non, je voulais juste faire un rasmot. J'ai juste flair parce qu'avec le temps, c'est jamais. Non, j'ai coupé le... Alors, le porte-avions russe. Ouais, tout à l'heure j'ai live sur GTRP aussi. De quoi? Non, j'ai quelqu'un dans mon chat qui me demande si je vais live sur d'autres jeux. D'accord. Mais je pense que j'ai eu des personnes qui ont recherché des CS World et qui sont tombées là-dessus, sur Twitch. Voilà l'eau. Là, je vous avais prévenu de se rapprocher de leur installation. Par contre, j'ai un lag de ouf. Sortie des trains, sortie de la barre d'appontage. Que la piste elle est noire par rapport au porte-avions. La piste elle est sombre par rapport au porte-avions. Tower 060. Overhead Angels 0. State 7.3. Tower 060. Overhead Angels 0. State 7.3. Okay. Tower 060. Overhead Angels 0. State 7.3. Bah, ça a l'air, après je suis en vue sur toi mais. Tower 060. Overhead Angels 0. State 7.3. Tower 060. Overhead Angels 0. State 7.3. Tower 060. Overhead Angels 0.5. State 7.3. Puisque j'ai mon ventilateur d'allumé, je me suis penché pour me mettre en VF2, du coup j'ai eu le vent en même temps que je me suis mis extérieur. Tower 060. Après le truc c'est que là t'as... Mais j'ai touché le pont. Oui, c'est que t'as atterri trop loin. Là tu peux refaire un tour. Au moins je peux super manger quoi. Voilà. Évite de trop accélérer en vitesse quand tu mets ton... Quand tu fais ton tour, parce qu'après tu manges du carbu pour rien. Ouais. Après là je suis full. Tower 060. Overhead Angels 2.5. Quand tu tournes comme ça, tu fais parallèle. Puis t'as passé la piste. Tu fais un 180 parallèle. Et après, faut juste que tu fasses une simple boucle. Faut pas que t'arrives à faire des 8 dans le ciel au-dessus du PA. Juste une simple boucle. Là, je te vois, t'es repassé au-dessus.
Bah Enzo, si tu veux, mais bon. Je te passe les commandes de mon rafale quand tu veux. J'aime bien voir ce que tu deviens après avec quoi. Tower 060, overhead Angels 2, state 7.0. Du coup, il est en train de me donner toutes les informations d'alignement et de vitesse. Overhead Angels 2, state 7.0. Là, tu peux faire demi-tour là. Tower 060, overhead Angels 2, state 7.0. Et hop, t'es passé en Tower 060, overhead Angels 2.5, state 6.9. Tower 060, overhead Angels 2, state 6.9. En fait, ouais, tu donnes le pétrole que t'as dans l'avion encore. Tower 060, overhead Angels 1.5, state 6.9. Tower 060, overhead Angels 0.5, state 6.9. Tower 060. Overhead Angels 0.5, state 6.9. Descente de la trompe de pontage. 060. Overhead Angels 0.5, state 6.9. De la barre de pontage. Croise de pontage. Tower 060. Overhead Angels 0.5. J'avais bien entendu. C'était pas sûr que j'ai. Je suis. Oh, y'a un malentendu. Tower 060. Overhead Angels 0, state 6.9. Tower 060, overhead Angels 0. N'empêche, l'alignement comme ça avec un PA, c'est toujours des corrections de trajectoire. Ouais, bah, surtout que t'étais. Tower 060, overhead Angels 0, state 6.9. T'es seulement en train de t'aligner dessus. Ouais. Tower 060, overhead Angels 0, state 6.9. Tower 060, overhead Angels 0, state 6.9. Est-ce que tu t'alignes trop bas? Tower 060, overhead Angels 0. Putain, mais ça touche pas, c'est un truc de malade. Si, j'ai touché. Oh, non, mais t'es sûr que t'as ta crosse d'appontage de sortie? Bah ouais, mais ouais, ouais. Ah, vas-y, rentre ton train pas loin derrière. Ouais. Et là tu fais 0, un 0, virage Angels, ah, nouvel abonnement. Merci Xantin91 pour l'abonnement. Tower 060. Tu fais un virage à gauche léger jusqu'à arriver, jusqu'à que t'aies ton porte-avions à ta droite, à gauche, parallèle à ton. Et là tu restes à cette altitude là. Merci à 2G91 pour l'abonnement. State 6.7. Tower 060. Overhead Angels 2. State 6.7. Évite de passer le 202. Tower 060. Dans 50, très grand. Overhead Angels 1.5. State 6.6. Tower 060. Overhead Angels 1. State 6.6. Tower 060. Overhead Angels 0.5. State 6.6. Tower 060. Overhead Angels 0.5. State 6.6. Tower 060. C'est toi qui appuie tout le temps là sur le. Overhead Angels 0.5. State 6.6. Il arrête pas de te donner le truc. C'est... Non, c'est lui à chaque fois tout le temps. Tower 060. Overhead Angels 0.5. State 6.6. Enfin non, c'est toi même qui parle. Même pas la tour, c'est toi. Tower 060. Overhead Angels 0.5. State 6.6. Là tu vas faire une. Oh. Ouais. Tower 060. Overhead Angels 0.5. Allez. State 6.6. Un peu bas. Ouais, je sais, j'en ai pas vu. Tower 060. Overhead Angels 0.5. Pour refuser, on verra plus tard parce que là j'ai un problème de volant, mais ouais, pourquoi pas. Tower 060. Overhead Angels 1. State 6.5. En fait, je donne toutes les informations liées à mon avion, je crois. Tower 060. Overhead Angels 1. Commence à tourner vers la gauche parce que tu vois, t'es.
T'es peut-être t'es un peu bas, faut que t'arrives à voir le truc en visu et de toute façon faut que t'approches à 152 grand max. Si t'es au-dessus de 150, ça va être compliqué. Tower 060. Overhead Angels 0.5. State 6.5. Même mon PA il me corrige pas, il me corrige pas mon truc. Tower 060. Overhead Angels 0. State 6.5. Tower 060. Overhead Angels 0. State 6.5. Tu sais ce que t'as fait? Ah, je crois que j'ai atterri trop bas, du coup je me suis mangé la barrière. Bah déjà, un truc que je comprends pas, pourquoi il y a une barrière sur ce porte-avions là? Oui, déjà pourquoi il y a une barrière sur un porte-avions? Et ça fout là? Ah, y a un problème, pourquoi le porte-avions? Faut que je regarde. C'est pas normal qu'il y ait la barrière. Normalement, bah, t'as pas le drapeau. Ouais, non, mais normalement, t'as pas le drapeau, t'as pas la barrière. C'est. Quand je l'ai mis, ça m'a semblé bizarre, mais je me suis dit, quand tu vas demander ton approche, de toute façon, ça va peut-être se baisser ou s'enlever. Au final, non. Ouais, super. Faudrait que j'enlève. Ouais. Après tu peux quand même demander sur le porte-avions américain et par contre tu fais voilà un décollage à la Walgen mais tu peux toujours demander le porte-avions américain et pour le décollage tu te mets en bout de piste et tu fais un truc comme ça quoi. C'est la seule solution. Je vais essayer, on va essayer. De toute façon l'appontage on sait tous que c'est pas compliqué donc. Ah ouais bah ça. C'est compliqué comme manœuvre. Donc. C'est de l'entraînement. C'est pas... Ah bah ça. Ouais. Comme ça. Les machines électroniques. Allez, s'il te plaît. Copie. Ouais. Vas-y, à plus, Enzo. Je vais essayer sur le PA américain, mais. Et 4 lives en français. Ah ouais? Toi t'as 3 spectateurs, moi j'ai moi. L'autre il a un spectateur. Et t'en as un, il en a 18. Ok, alors vérification. 18, allez, il se met bien. Voilà. Donc le moteur démarre. Je pense que vers 15h45 je vais partir sur avec Skylen tout à l'heure il m'appelle pour que je puisse jouer. Ouais t'inquiète. J'essaie juste l'alignement et si je dois faire un Tonchengo, c'est pas, je partirai. Ok. Ah oui, mais c'est que t'as mis en story aussi, comme quoi que t'étais sur Twitch. Arrête. Ouais. Ah bah attends, stratégie de communication. Oh, le grugeur, quoi.
On met les freins PC. On lâche les freins. Ah, les lags, ça raconte pas le bordel. Altitude. Altitude. Ah, tu me talonnes, hein? Non, c'est pas vrai. Alors, il est où? Oh putain. Tu t'amuses avec ton radar? Et je fais des tests, monsieur, des tests. Putain, heureusement qu'à Rafale, je peux te tracer rien. T'es sûr? Avec un Maverick Ocus, c'est un peu compliqué, et je peux quand même te tracer. Alors, c'est pas un Maverick, c'est un IM, mais sur un malentendu, ça peut le faire. T'es en train d'accélérer comme un porc. J'essaie de te faire décrocher. T'es sûr? Non, mais de me faire décrocher du radar. Oh bah tu pourras pas, c'est un radar, je peux t'accrocher à 60 nautiques. Ah oui. Bah je veux bien, hein, mais ça... Attends, tu peux me décrocher, c'est vrai, parce que ça fait beaucoup de bruit dans le... Dans le cockpit. C'est même pas marrant. Attends, mais j'entends plus rien, c'est vrai, j'entends un bêeeep comme ça, là, H24. Ah, parce que t'es pas joueur. Ah, j'ai juste mal au crâne, mal au cul aussi. Ça. Bon, on va les tirer sur le porte-avions US. Je rigole. Je l'ai attendu en plus. Hein. De toute façon, t'as pas atteint ton taux de chauffe. Depuis tout à l'heure, si. Ah. J'ai juste à appuyer.
J'ai entendu. Ah. Ici, juste à appuyer, ça part. Hein. J'ai quelqu'un d'autre qui vient de s'abonner. Ah, tu m'étonnes, il a partagé son truc. Tu m'étonnes. Moi, je l'ai partagé trop tard, donc. Après, j'ai un deuxième spectateur, je sais pas qui c'est. Ah non, j'en ai plus qu'un, c'est pas grave. Alex3129, merci de ton abonnement. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré, Alex3129. Le mec qui s'abonne à ta chaîne et pas à la mienne, quoi. Super, merci Alex. Merci. Le mec, il est administrateur à la Red Falcon, tu sais, il s'abonne à ta chaîne et pas à la mienne. Ok, super. Hey, en plus, il me dit, hey, salut, salut Alex, comment ça va? Super Alex, merci, hein, merci. Ah l'enfoiré. Ah là là. Ah, je vais pas réussir à vouloir que je fasse une passe. Ah quoi que. Ah non, j'arrive beaucoup trop vite. J'arrive beaucoup trop. Ah si tu mets les AF là, ça devrait le faire. J'ai les AF là tout à l'heure. Hein. Je suis à 400. On va continuer à réduire. Oh putain, les lags. Oh là. Putain. Là, tu te poses trop bas. Ouais, je pense. Bon, tant pis. Je pense que moi, ça va être terminé pour moi le live aujourd'hui, enfin le live sur DCS du moins, parce que là je vais aller sur GTA RP. Je vous passe vite fait sur une autre scène, histoire de pouvoir appeler quelqu'un, et ensuite je vous reprends. Peut-être que je me pose quand même, c'est pas trop bon. Ah, Alex3129. Non mais je retiens. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Bah, j'essaye d'apponter, sauf que j'étais un petit peu trop haut, donc un petit tour. Bon là c'est pareil, je pense que ça va être un poil de geste.
Non, ça va pas. Casse. Oui bah Alex, ouais, Alex bah ouais bah c'est ce qu'il a fait Necro tout à l'heure, il... sauf que lui c'était pas assez vite, il s'est tapé le bord du porte-avions. Voilà. Et oui je suis trop vite à 240. Parce que je descends à 140. Du coup Necro tu vas sur GTA? Ouais là je vais aller avec ouais là je vais avec un pote. Ok, pas tout ça. Du coup là je vais faire la dernière scène de mon live et je vais arriver. Yes. Allez, je fais le transfert. Là, c'est le transfert de scène. Yes. Et bien voilà, le live se termine ici. Alors, j'ai pas vraiment réussi à pomper pour l'instant. C'est plutôt compliqué, la pompage. C'est une procédure sur laquelle je suis en train d'apprendre. Mais j'ai espoir que ça, que je puisse pomper le plus vite possible. Comme ça, ça me fera monter un petit peu d'expérience, mais je trouve que le live est assez bien construit. Après, c'est l'un de mes premiers lives en mode vraiment dur sur ce jeu-là et avec ces personnes-là. Là, si vous voulez continuer à suivre mes aventures, mais pas sur DCS, je vais faire un live GTRP juste là, après ce live-là, avec d'autres personnes, un gang, bref, beaucoup de choses qui nous attendent. En tout cas, moi, c'était Necroz. Hein. Je vous remercie d'avoir suivi le live, tous pour ceux qui étaient là au milieu jusqu'à la fin. Ciao tout le monde. Et voilà. De toute façon, après la vidéo, tu la laisses sur ta chaîne. Oui, là, elle est en rediffusion déjà. Là, elle est déjà prête. Hein. Là, oui, c'est instantané. Oui. Oh là là. Je vais aller regarder sur Twitch un petit peu leur relief. Compliqué. Ouais, je sais, ouais, mais en plus que l'incidence, ouais, c'est pour ça, le 140 nœuds était bon, et après, faut juste que je passe. Sur l'incidence, ouais, mais après, c'est vrai qu'avec les volets à fond, l'avion monte tout seul, c'est un peu relou. Monte ou descend, enfin, il reste pas stable. J'arrive à bien gérer le truc, et après, ça devrait être bon, quoi. Train d'atterrissage. J'allais encore me poser sans le train d'atterrissage, moi. Ça va être un peu compliqué sans train.
Ah bah j'aurais fait une nécrose. Je fais ce que je peux. Hein. Point rouge. Oh putain. Il manquait quoi, Alex, sur le HUD? Ok. De quoi, ok? Non, non, je répondais à Alex. Et toi, ça t'amuse de te tester, voir si ça fonctionne le follow? Ouais. C'est ça la musique que j'entends alors? Oui. Non, mais tout à l'heure, j'entendais une musique, je sais plus c'est quoi ce truc, j'enlève mon casque, je sais putain, mais d'où elle vient cette musique? Et là, je regarde sur OBS, je fais ah ouais, d'accord. Qui va faire ça pendant 15 ans. Une grosse fois, je serais capable. Je vais voir, je vais peut-être prendre un missile. Je suis plus moche. C'est 4 fois ce qu'on fait là. 4 ou 3, j'ai vu 4. Là j'en vois 4. Ah bon, j'en vois 3. Après il y a ton retour. Ah oui, parce que du coup, quand tu regardes sur la liste des lives DCS France, en français, on est que 2. Et que 2, et moi j'en ai. C'est marqué 3 spectateurs et l'autre 15. Ouais, t'apparais en rouge. Ouais, moi je te laisse, je vais aller avec Kane. Ouais, mais moi je vais aller sur la map Siri. Pas de soucis. Allez, à plus. Allez, à plus. Ouais, c'est ça, Alex. Ouais, t'es jamais. Le mec il vole jamais, mais il dit comment faire. Ouais, je pense que. Ouais. Mais bon, c'est pas faux ce que tu dis, en soi. Allez, je vais couper le live et je vais revenir dans quelques minutes avec la map Siri.